Cette très étrange affaire de disparition inquiétante s'est passée dans le sud de la France, dans le département du Var, à Fréjus très exactement. Mais elle a eu très vite une prolongation en Italie toute proche. C'est là qu'une femme de 33 ans, Laetitia Cuba, habitante de Fréjus, va disparaître elle aussi sans laisser de traces ni de signes apparents. Elle avait fêté son anniversaire le 11 septembre dernier. Et les circonstances de sa brusque disparition laissent dubitatif. 11 ans plus tard, l'enquête judiciaire pour laquelle rien ne peut être reproché aux différents enquêteurs n'ayant rien donné, aucun indice probant n'ayant été relevé, l'affaire apparaît comme loin d'être résolue. Alors revenons simplement sur les éléments dont nous disposons, éléments toujours partiels et qui restent en tout état de cause à manier avec prudence. Aloha, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle affaire de disparition, l'affaire Laetitia Cuba. Nous sommes le mardi 25 septembre 2012, en toute fin de journée, à Fréjus. Il fait beau encore en cette belle arrière-saison que tout le monde apprécie ici sur la Côte d'Azur. Ce jour-là, la jeune Laetitia Cuba, âgée de 33 ans et célibataire, employée modèle de la Poste depuis qu'elle avait quitté il y a quelques années la gendarmerie, où elle avait lancé sa carrière à sa majorité, disparaît brusquement de chez elle, sans que personne ne s'y attende ou comprenne vraiment. C'est une jeune femme pleine de vie, gaie et pimpante. Initialement, ce soir-là, elle avait prévu d'aller dormir chez sa grand-mère, qui habite la petite ville d'Herpéménade, dans l'arrière-pays cannois, tout près de Grasse, dans les Alpes-Maritimes. Cela lui arrivait régulièrement. Pour s'y rendre, elle a environ 40 minutes de voiture à faire. Laetitia connaît bien la route, pour la faire très régulièrement et cela ne lui pose aucun problème. Il est environ 19h. Laetitia sort de chez elle avec un petit sac de voyage où elle a fourré deux ou trois effets vestimentaires dont une chemise de nuit, claque la porte de son petit logement, un studio indépendant accolé à la villa de ses parents, et rejoint sa voiture garée sur le parking attenant à la maison. C'est une petite Volkswagen noire de type Polo, agréable et pratique, qu'elle aime bien conduire. La maison de ses parents est fermée, car ils sont en vacances, comme ils le font chaque année après la saison estivale. Dans la soirée qui s'avance, la grand-mère de Laetitia s'inquiète de ne pas la voir arriver, car sa petite fille avait indiqué à sa grand-mère qu'elle serait avec elle vers 20h, juste à l'heure du dîner, qu'elles aimaient d'ailleurs partager. Ce n'est pas le style de la jeune femme de ne pas honorer ses rendez-vous. Et de surcroît, sans prévenir. Surtout qu'entre Laetitia et sa grand-mère, les relations sont quasi fusionnelles. La grand-mère, inquiète, l'appelle plusieurs fois au téléphone, mais Laetitia ne répond toujours pas. Et l'appareil bascule très vite en mode messagerie. La grand-mère pense immédiatement à un accident qui serait survenu à sa petite fille. Cela oui, se dit-elle, peut arriver, même à une conductrice prudente et attentionnée. Elle prévient Claude et Carmen, les parents de la jeune femme, qui vont rentrer précipitamment de congé, ainsi que la sœur de Laetitia. Eux non plus ne comprennent pas ce comportement et s'interrogent. L'inquiétude gagne doucement tous les membres de la famille. Pour tous, la nuit va être longue, entre incompréhension et recherche téléphonique tout azimut. Nous sommes le mercredi 26 septembre 2012, toujours à Fréjus. C'est le lendemain matin et Laetitia n'a toujours pas donné signe de vie depuis son départ la veille. On commence à s'inquiéter sérieusement. Les parents, à peine rentrés, se rendent aussitôt au commissariat de police de Fréjus pour signaler les faits et demander l'ouverture d'une enquête judiciaire pour disparition inquiétante d'une personne majeure. Par une coïncidence des plus étranges, des policiers du commissariat local s'apprêtaient justement à se rendre au domicile de Laetitia Cuba. Et ce que les parents et Christelle, la sœur de Laetitia,
qui les accompagnent vont alors apprendre de la bouche même des fonctionnaires de police qui les reçoivent va les stupéfier. Après le récit qui leur est fait, tous trois restent abasourdis, comme sonnés. En effet, c'est tard dans la soirée que les carabiniers italiens, l'équivalent de la gendarmerie en France, de la ville de Bordighera, sur la Riviera italienne, les ont avisés de faits pour le moins étranges et qui sont très certainement en lien avec leur enquête. Mentionnons à ce stade du récit sur la disparition de Laetitia Cuba que la coopération policière entre forces de police françaises, police et gendarmerie et italienne, police et carabiniers, ainsi que douanières entre les deux pays est excellente depuis de nombreuses années et ne fait d'ailleurs que de se renforcer. Et l'affaire de la disparition de Laetitia Cuba en est un exemple significatif. Écoutons donc ce récit, tant il est singulier, mais ô combien révélateur, dans cette étrange affaire. Le même mardi 25 septembre 2012, à 21h50, un véhicule de marque Volkswagen de type Polo, noir, est signalé comme circulant à contresens sur l'autoroute italienne de la côte Ligure. L'autoroute A10, appelée aussi l'autoroute des fleurs, autoroute plutôt escarpée en cet endroit précisément, sur une section de 18 km de tracé, comprise entre Arma di Daggia et Bordighera en Italie toute proche. La voiture signalée circulerait en fait à contre-courant du flux de circulation, dans le sens Italie-France. Comme si le conducteur ou la conductrice s'était tout à coup rendu compte de son erreur d'itinéraire et, étant allé plus loin que prévu, avait opéré un demi-tour sur la voie même. À cause du rail central, il lui était en effet impossible d'atteindre l'autre sens de circulation. Heureusement, la circulation est alors très faible sur cet axe et aucun accident de la circulation routière ne survient. Mais l'alerte a été donnée. Mentionnons que sur cette section autoroutière A10, il existe de nombreux tunnels et viaducs, au vu du relief particulièrement escarpé de la région traversée par cet axe autoroutier, un peu en retrait de la côte méditerranéenne et que les échangeurs d'entrée et de sortie sont clairsemés de loin en loin. Ceci peut expliquer cela. La police de l'autoroute engage de gros moyens et va rapidement dresser un barrage, plus en aval du sens de circulation indiqué. Mais la conductrice de la voiture, identifiée comme étant une femme, sans doute Laetitia Cuba, du moins c'est ce que nous pressentons, ne s'arrête pas et serait même parvenue à éviter le barrage. Les policiers italiens estiment qu'elle a pu quitter l'axe autoroutier, notamment sur l'échangeur de Bordighera, le dernier situé en Italie, 12 km avant le poste de douane de Vintimille et l'entrée sur le territoire français. Le même soir, vers 22h30, à quelques kilomètres à peine de là, alors que la nuit vient tout juste de tomber, une patrouille de police italienne de la petite ville de Bordighera, cette chic station touristique située juste après la frontière italienne et Vintimille, circule à vitesse réduite sur le front de mer italien. C'est plutôt la routine pour cet équipage de police qui effectue là la première partie d'une ronde de présence et d'éducation. Car désormais ici en Italie, comme sur la côte d'Azur toute proche, la foule des grandes vacances a quitté la région et la ville côtière retombe doucement dans sa léthargie automnale, faite surtout de calme, de sérénité et de douceur. Pour preuve, la circulation sur cette avenue du bord de mer est particulièrement calme et seuls quelques badauds attardés, des retraités pour la plupart, y flânent encore à cette heure. La mer, elle aussi, est calme, il n'y a pas de vent. À un moment donné, l'attention des deux fonctionnaires de police est attirée par le stationnement pour le moins curieux et gênant d'une voiture de marque Volkswagen de type Polo, de couleur noire, immatriculée en France, devant le portail d'une belle résidence de vacances, au nom charmeur,
Baïla la rue Ota. Il constate que la voiture est fermée à clé, que son moteur est éteint et que les deux feux de position sont allumés. Le capot est encore tiède, signe que le stationnement à cet endroit n'est pas très ancien. Un second véhicule de police, venu en renfort, car l'événement à lui seul rompt soudain avec la monotonie de la soirée, se joint au premier policier et se met en quête de retrouver le ou la conductrice du véhicule. Ne serait-ce que pour l'admonester sur le stationnement pour le moins bizarre du véhicule. Mais il ne découvre personne aux alentours immédiats. Il vérifie alors auprès du centre de coopération policière et douanière franco-italien de Vintimille, situé tout à côté, si le véhicule est signalé volé. La réponse est là aussi négative, mais, et c'est fondamental à ce stade, un rapprochement est tout de suite fait avec l'incident signalé sur l'autoroute, il y a moins d'une demi-heure seulement. Le gardien de la résidence de vacances, qui a été sollicité et qui a vu l'agitation en cours, ouvre le portail, sans qu'il y ait lui aussi de ce véhicule qu'il ne connaît pas et qu'il n'a par ailleurs jamais vu. Un véhicule français, surtout à cette période de la saison, aurait à coup sûr attiré son attention. Devant ce qui semble être un mystère, les vérifications initiales sont alors approfondies plus en avant en pleine nuit. Sait-on jamais ? Il s'avérera qu'un téléphone et des papiers d'identité se trouvent rangés dans le véhicule. Vérification faite aussitôt, ce sont bien le téléphone et les papiers d'identité de Laetitia que les policiers italiens viennent de découvrir dans le véhicule. Mais aucune personne n'est découverte aux alentours. Seules les fouilles entreprises sur le chemin arrière de la résidence, menant à la plage, laissent apparaître un sac de supermarché, posé là sans précaution particulière. Sac qui contient quelques vêtements de femme, dont un pantalon rouge, un chemisier et un soutien-gorge. Il s'avérera là aussi que ce sont des effets appartenant à la jeune femme. La résidence de vacances est équipée de plusieurs caméras de vidéosurveillance et c'est une vraie chance pour les enquêteurs. En visionnant les images, en compagnie du gardien réquisitionné de la résidence, il constate qu'une jeune femme, a priori apeurée, voire paniquée, porteuse d'une tunique blanche, est en train d'enjamber le portail d'accès à la plage, comme si elle était en train de s'enfuir ou de fuir quelqu'un. Sans conteste, les images ne mentent pas, on est bien dans la résidence même devant laquelle le véhicule se trouve abandonné. Il était 22h15 précise quand ces images ont été enregistrées. L'analyse détaillée et minutieuse de ces images par les services de la police judiciaire italienne et les policiers français qui se sont transportés sur les lieux, les accords de coopération policière transfrontalière le permettant, déterminera qu'il s'agissait bien de la jeune Laetitia Cuba. Il en est de même de la voiture, la fameuse Volkswagen Polo noire, qui est rapidement identifiée comme étant la propriété de la famille Cuba. C'est tout ce que les policiers du commissariat de Fréjus peuvent apprendre ce matin aux membres de la famille. Une fois le récit terminé, les proches de Laetitia tombent littéralement des nues, sont accablés. C'est impensable pour eux, c'est comme un mauvais rêve, mais malheureusement les faits sont là, têtus et implacables. Il ne s'explique nullement pourquoi ce soir-là, et contre toute attente, Laetitia a pris l'autoroute A8 en France, en direction de Nice, puis de l'Italie, pour se retrouver finalement à Bordighera, un lieu qu'elle ne semblait pas connaître. Laetitia avait été décrite comme une bonne conductrice, plutôt prudente, et n'oublions pas qu'elle était une ancienne gendarme. Pas d'excès de vitesse, pas de contravention, un respect global des règles qui l'honorait. On sent là la patte de l'ancienne gendarme. Donc fort logiquement, l'hypothèse de l'accident de la circulation routière tombe donc à l'eau, d'autant que le véhicule, soigneusement examiné, ne présente aucune trace, aucun impact. Les parents et les proches de Laetitia affirment qu'elle ne connaissait pas ces lieux, situé tout de même à quelques 120 km de son domicile, en Italie. Mais ils ne peuvent étayer leur réponse que les échanges verbaux qu'ils ont eus avec Laetitia de par le passé.
Peut-être y avait-il quelque chose qu'ils ignorent encore. Ils pensent encore à un mauvais rêve et sont persuadés que leur fille et sœur va surgir là d'un instant à l'autre. L'enquête va donc se poursuivre au vu des seuls éléments matériels recueillis jusque-là et, reconnaissons-le, ils sont plutôt minces. Le véhicule de Laetitia est saisi par les autorités italiennes et va être minutieusement analysé. A priori, rien de suspect n'en sortira. On saura aussi que Laetitia a bien été vue, passant le péage d'Antibes, sur l'autoroute A8 ce soir-là. L'horaire de passage enregistré correspond parfaitement avec un départ effectué à Fréjus, aux environs de 19h. Les images de vidéosurveillance ne sont cependant pas assez précises et ne permettent malheureusement pas de déterminer si elle était seule à bord de sa voiture. À ce moment-là, elle avait donc déjà dépassé la sortie d'autoroute qu'elle devait emprunter pour se rendre chez sa grand-mère. C'est ce que les enquêteurs essaieront en vain de comprendre. Elle est bien engagée à ce moment précis sur l'autoroute pour se diriger sans erreur possible vers l'Italie. Les panneaux sont suffisamment explicites et Laetitia connaît cette autoroute pour l'emprunter régulièrement. Au pire des cas, il y a de nombreuses sorties possibles avant la frontière italienne. Toutes sorties qui lui auraient aisément permis d'opérer un demi-tour sans difficulté. Et l'ultime espoir, se disent tous, le passage de la douane aurait dû forcément attirer son attention. L'hypothèse de la noyade accidentelle, survenue ce soir-là en tombant dans la baie située sous la résidence, ne semble pas coller non plus. Elle ne convainc pas les enquêteurs de la police judiciaire, tant en Italie qu'en France. L'eau de la Méditerranée n'est pas froide du tout en cette agréable fin de saison, ni très profonde non plus à cet endroit. Laetitia savait nager. Il n'y a aucune trace suspecte sur les rochers et sur la plage. Il n'y a pas de courant et surtout, aucun corps n'a jamais été repêché, ni par une embarcation quelconque, ni sur la large bande de côte scrutée. Un long survol effectué par un hélicoptère des forces de sécurité et plusieurs patrouilles en embarcation nautique, le long de la côte justement, n'amèneront rien non plus. Le seul élément troublant qui va intervenir très vite et qui sera porté à la connaissance des enquêteurs est le fait que Laetitia a déjà fait, il y a quelques années de cela, une crise aiguë de paranoïa. Crise pendant laquelle elle s'était montrée irrationnelle. Mais selon ses proches, cela ne s'était jamais reproduit, du moins le pense-t-il. L'étude détaillée de la téléphonie de la jeune femme ne livre aucun secret trop bien gardé, ni aucune piste intéressante, susceptible d'orienter utilement l'enquête judiciaire en cours. Il y a bien les différents appels de la grand-mère le soir de la disparition. On sait qu'elle n'y a pas répondu. Les géolocalisations successives de l'appareil correspondent bien au trajet supposé emprunté par la jeune femme qui l'a menée jusqu'à cette résidence de vacances à Bordighera. Puis plus rien, puisque le téléphone resté dans la voiture sera finalement entre les mains des enquêteurs. Le suivi de la carte bancaire de la jeune femme et d'éventuelles opérations bancaires sur son compte bancaire n'amène rien non plus. Pas de retrait d'argent, pas de versement, pas de passage à un guichet quelconque, aucun chèque émis. Comme si sa vie bancaire s'était, elle aussi, brusquement arrêtée ce mardi 25 septembre 2012 en soirée. Le courrier, lui aussi, est scruté, analysé, décortiqué. Rien non plus de ce côté-là. Tout comme la perquisition menée dans son studio, attenant à la maison de ses parents, à Fréjus. Les enquêteurs vont s'intéresser aussi aux possibilités de quitter la région autrement qu'en voiture. Les vérifications effectuées auprès des gares, des aéroports, des compagnies maritimes, des cars aussi, ne donneront rien de plus. Mais il fallait quand même le vérifier. On pourrait même croire qu'il n'y a rien d'anormal dans la vie ordinaire de cette jeune femme, rangée et sans histoire. Cela sera d'ailleurs confirmé par ses anciens employeurs. La Poste et la Gendarmerie nationale. Le portrait dressé par ces derniers est d'ailleurs conforme en tout point au dire de la famille. Une personne modèle, sans histoire, extrêmement gentille.
on ne lui connaissait aucune liaison sérieuse. Elle avait récemment rompu avec un homme marié, mais je n'en parlerai pas plus, car cela n'emmènera rien de plus à cette affaire. Aucun ennemi non plus, ni aucune affaire scrabreuse. Décidément, il apparaît que l'étrange et l'incongruité rayonnent sur ce dossier. Si, ce soir-là, un homme a bien été vu sur les images de vidéosurveillance de la résidence de vacances, rien ne permet formellement de le lier à la disparition de Laetitia Cuba. Cela aussi a été vérifié et scruté. Seule l'escapade insolite et peut-être tragique de la jeune femme, ce soir-là, pose question. Et là aussi, les enquêteurs tant italiens que français sont interloqués. Ils ont beau revoir les images de vidéosurveillance, relire les comptes rendus des policiers, primo intervenants, interroger voisins, amis, collègues, familles, commerçants, ils ne trouvent pas la faille, le petit truc, le petit rien qui, souvent, fait basculer une enquête judiciaire. Sur la route, si elle s'était sentie en danger ou menacée, pourquoi n'a-t-elle pas sollicité les secours ? D'un côté de la frontière ou de l'autre ? Pourquoi n'a-t-elle pas appelé ses proches ? Pourquoi a-t-elle volontairement esquivé le barrage de la police dressé sur l'autoroute italienne ? Pourquoi, toujours si elle était en danger, s'est-elle alors arrêtée, de nuit, devant cette résidence de vacances, a priori très peu occupée ou pas du tout ? Pourquoi serait-elle partie seule, en escaladant une clôture vers la plage ? Connaissait-elle les lieux ? Y avait-elle un rendez-vous ? Toutes ces questions restent à ce jour sans réponse. Et tout cela ne lui ressemblait pas. L'enquête s'enlisera doucement. Le premier hiver passé sans rien apporter de nouveau. Puis une autre saison estivale et ainsi de suite. Chacun, inexorablement, a repris son rythme de vie et vague à ses occupations. Mais sa famille continue le combat et ne cesse de chercher Laetitia. L'enquête judiciaire reste certes ouverte un moment encore, mais les policiers qui ont, par ailleurs, 1000 autres chats à fouetter, n'ont rien de plus à se mettre sous la dent. La famille de Laetitia se rend très régulièrement à la résidence et sur la plage où Laetitia a été vue pour la dernière fois, par la vidéo de surveillance. C'est là, quelque temps après, qu'ils vont retrouver une sandale qui, ils en sont sûrs, appartient à Laetitia. Elle est quasi neuve, sans aucune trace du temps passé dans l'eau. Pourquoi cette sandale réapparaît subitement sur cette plage où Laetitia a disparu ? Et surtout, pourquoi cette sandale est restée intacte malgré le climat, la mer et le sel, et le temps qui passe ? Quelqu'un l'aurait-elle déposée à cet endroit ? Une ordonnance de non-lieu, délivrée par le juge d'instruction près du tribunal judiciaire de Draguignan, redoutée certes mais attendue, hélas, mettra un terme aux investigations. Désormais seul, un élément nouveau versé au dossier serait de nature à rouvrir l'enquête. Cela arrive quelquefois, mais reconnaissons que c'est extrêmement dur pour les familles. Pendant des années, rien ne va se passer. Mais depuis septembre 2021, l'enquête a été relancée sous l'impulsion d'une nouvelle juge d'instruction au parquet de Draguignan, dans le Var. Elle a délivré aux policiers de la police judiciaire de Toulon une commission rogatoire internationale, leur permettant d'investiguer tant en France qu'en Italie et leur demande de reprendre l'enquête à sa base. Et effectivement, de nouvelles investigations ont pu être menées, notamment sur le territoire italien. Là, précisément, où Laetitia a été vue pour la dernière fois et où, très certainement, elle a disparu. Des vérifications plus poussées ont également été lancées auprès des morgues, chambres funéraires, établissements hospitaliers, hôpitaux et cliniques psychiatriques, de chaque côté de la frontière, mais sans rien donner de probant. Il est par ailleurs raisonnable de penser, au vu notamment des premières constatations effectuées et largement confirmées par la suite, que Laetitia a bien disparu dans une aire géographique localisée, entre son domicile de Fréjus, la frontière italienne et très probablement le secteur de Bordighera en Italie.
sauf avoir été kidnappée et amenée loin d'ici. Une hypothèse pas si farfelue que de là et qui avait également été étudiée. Laetitia devrait se trouver dans une zone géographique ainsi délimitée. Comme beaucoup d'autres affaires non résolues à ce jour, cette affaire-ci arrivera prochainement sur les bureaux du nouveau pôle des affaires non élucidées, les cold cases français, au parquet de Nanterre. Gageons que les enquêteurs qui relieront le dossier trouveront peut-être, eux, la faille qui faisait tant défaut à leurs collègues d'avant. C'est la fin de cette affaire des plus mystérieuses. Je souhaite énormément de courage à la famille de Laetitia et j'espère qu'un jour elle sera retrouvée. Pour ma part, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et surtout, prenez soin de vous.